Là. Je peux déverrouiller une nouvelle pièce dans la zone de vie principale. Oh. Merci. J'irai voir dès que possible. Ouais. On dirait que cette pièce a changé. Tu y es pour quelque chose, Gaïa? Oui. J'ai modifié le système d'affichage pour suivre les creusets dont tu as extrait les données. D'accord. Alors, Kotalo, attends, je te parle juste après. D'abord, il faut que j'aille voir ça. Ça, du coup, c'est les piratages que je peux débloquer. Il me faut des ressources particulières, genre là, le ravageur, j'ai le nerf primaire. Donc, je peux le déverrouiller. Ça, j'ai pas. Ça, j'en ai une sur deux. Malheureusement. Putain, pirater des oiseaux, ça serait pété. Vraiment cool. Bonjour, Kotalo. Aloy. Contente de te voir. Je suppose que tu as beaucoup de questions. On m'a parlé de notre ennemi et de ses intentions. Tes amis m'ont montré la vision que tu conserves ici, Gaïa. Et ils m'ont donné ce focus. Je ne peux pas faire comme si je comprenais tout, mais tout ce que je dois savoir, c'est où m'entraîner et quand me battre. Bienvenue dans l'équipe. Tu regardes quoi là-bas ? Les autres m'ont aidé à décrypter les symboles que le focus me montre. Alors, je me suis dit que j'allais étudier l'arme que tu veux utiliser contre l'ennemi. Cet Héphaïstos. Il va pouvoir créer des machines qui obéissent à Gaïa ? Oui. Mais combien ? Autant qu'il en faudra. Quelle puissance. Le monde a-t-il déjà connu ça ? Maintenant que tu sais qui est notre ennemi, est-ce que tu as des questions ? J'avoue volontiers que j'ai du mal à tout saisir. Ils viennent du ciel, et ils sont invulnérables. Pour l'instant. Je te laisse t'occuper de la stratégie. Je sais que tu guideras ma lame là où elle frappera le plus fort. Je voulais entendre un truc, mais non. Tu penses quoi de notre escouade ? Ils semblent impatients de se battre. Mais je dois reconnaître que je suis surpris de voir une Outarou dans nos rangs. Les fermiers ne font pas d'excellents soldats. Je l'ai trouvée bien efficace quand elle a détruit les machines qui gardaient cette base. Intéressant. Ça sert à rien. Peut-être que je me trompe. Vraiment, elle a servi à que dalle. N'hésite pas à aller voir Ekaro et ton peuple. Tu pourras toujours revenir. D'accord. J'ai entendu dire que Varl et Erend allaient t'accompagner en mission. Vous avez besoin de mon aide ? Je préfère qu'avec Zo vous gardiez la base pendant ce temps. Ce sera fait. Que les 10 veillent sur toi. Ok. Ok, ok. Du coup, c'est quoi la salle ? C'est celle-là ? On dirait que quelqu'un s'est installé ici. Non. Je vois que tu as trouvé la salle de Varl et Zo à l'œil. Je crois qu'ils avaient envie d'avoir un espace privé. Je vois. Bon, on n'a pas trop envie de traîner, hein, du coup, ici, parce qu'ils font sûrement leur cochonnerie ici. Des hologrammes ? Gaïa, je croyais que les données d'ici avaient été perdues. J'ai pu modifier l'équipement pour afficher les données que tu as obtenues au cours de tes voyages. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Parce que j'ai vu ça, déjà. Ensuite... On dirait qu'Eren des Kotalo ont installé leurs affaires ici. C'est le bordel. On voit quelque chose... Non. Oh, la porte est déverrouillée. Ouais, celle-là ? Toilette ? Tu parles d'une autre porte. Celle-là ? Oula ! Gaïa, à quoi servait cette salle ? C'était censé être une salle de détente pour les agents du centre de contrôle. Malheureusement, les modules de divertissement ont été perdus avec la base de données Apollon. Oh. Dommage. Ça s'ouvre, ça. Chaque fois quand j'ouvre une porte comme ça, j'ai l'impression que je vais me prendre le truc dans la gueule. Le choix de toute façon. Il y a des données ici. Et une autre pièce. Il y a des données ici. Pourquoi ? Ah, c'est un audio. Passage en journal privé. Bon,
Le centre de contrôle régional 9. La conception du site avance. Quand Gaïa l'aura construit, il aura tout ce qu'il faut. Sauf de la personnalité. Alors, je vais y ajouter ma patte. Quelques fioritures. À commencer par cette petite pièce secrète. Auguste aurait été ravi. Il adorait les passages secrets. Comme ceux des vieux châteaux anglais. Mais j'ai prévu quelque chose de plus important. Mon chef-d'œuvre, si j'ose dire. De quoi il parle ? Quoi il parle ? Est-ce que je peux tirer cette boîte ? Ok, il y a des boîtes qu'on peut tirer, je savais pas ça. Là, il n'y a rien. Y a pas une autre porte à tirer, non ? Chelou. Au moins, j'ai eu des ressources. C'est ça la nouvelle porte, oui. On dirait que quelqu'un a bougé des trucs ici. Ah non. Aloy, je vois que tu as trouvé ta salle. Tes compagnons ont pensé que tu aimerais avoir ton propre espace. C'est très gentil à eux. Ok. Alors ça c'est quoi ? Ça fait des mois que je garde le pendentif d'Elisabeth avec moi. Mais puisqu'on va rester ici un moment, je pense que je vais le laisser ici. Il y sera en sécurité. Ok, examinez le pendentif. Elisabeth a fondé tous ses espoirs en Gaïa. Et Gaïa fonde tous ses espoirs en moi. Si j'arrive à tout accomplir, retrouver les sous-fonctions, vaincre Zénith lointain, sauver le monde. Je me dis que Elisabeth serait fière de moi. Je peux pas voir le truc de près. Ensuite, il y a quoi ? Ma lance. Ma vieille lance. Rost m'a aidé à la fabriquer. À la fin de mon entraînement. Ça me semble si loin aujourd'hui. Quand Varl m'a trouvé après le laboratoire d'Hadès, j'ai cru voir Rost. Je crois pas qu'il comprendrait tout ce qui se passe. Ni ce que je recherche. Mais quand même. J'aurais aimé qu'il soit là. Rost, qui est notre père adoptif, qui est dead. C'est le droit de passage que Fachav m'a donné à l'ambassade. Je l'aimais bien. Ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Et je crois qu'il avait très envie de rentrer chez lui. Ben, il est dead aussi. Quand j'ai rencontré Caro, j'ai pensé que c'était encore un seigneur de guerre sanguinaire. Mais Fachav disait vrai. Et Caro veut la paix. Ça sera pas facile. Mais avec ses nouveaux maréchaux, sa vision a peut-être une chance d'aboutir. Très bien. Et là, je peux prendre... Hop, des ressources. Je suis prêt pour l'aventure. J'ai plus qu'à parler à Zo. Pardon. Varl a l'air d'apprécier vos entraînements. Apprendre à deux est plus facile. Tu es retourné à Mélopée ou pas ? J'y ai pensé, oui. Mais... je ne saurais pas quoi leur dire. Le cœur me voit déjà comme une épine plantée dans son pied. S'ils savaient ce qu'on a fait à Fa, même s'ils pouvaient comprendre, ils ne pourraient pas faire grand-chose pour... tout ça. Non. Pour le moment, ma tribu n'est pas le plus important. Oula ! Et pourquoi ? Là, il y a un point d'exclamation, mais là, après, derrière, il n'y a rien. Est-ce que Gaïa t'a tout raconté sur les Zéniths ? En effet. Mais ça n'a pas été très facile à accepter. Dire qu'il existe des lieux parmi les étoiles où la vie prospère comme dans notre monde, ça remet... certaines choses... en perspective. Et ça fait mal de se dire que cette vie repose sur la fin de la nôtre. Tu fais quoi ? Gaïa m'a généreusement fourni une liste de glyphes qu'utilisaient les anciens. Elle m'a aidé à déchiffrer certaines données que tu as collectées et m'a appris à me servir du focus pour m'assister. C'est pas simple, mais pour l'instant ça marche.
Ça fait plaisir. Je crois que tu as rencontré mon amie Talana. Oui. Ah, c'est ça. La chasseuse Karja. Je n'avais pas vu d'armure comme la sienne depuis les raids rouges. Mais Varl m'a dit qu'elle aussi avait souffert à cause du roi Soleil Démon. Ouais. Tu n'as rien à craindre d'elle. Je t'assure. Très bien. Tu as discuté avec Kotalo ? Oh, pas vraiment. Les Ténacs ne se soucient pas trop de nous, les étrangères. Toi, par contre, tu lui as fait forte impression pour qu'il t'offre ses services. Alors tu as parlé à Gaïa ? Oui. Elle m'a gentiment fait découvrir quelques chapitres de l'histoire des anciens. Y compris leur déclin et l'héroïsme de sa créatrice, Elisabeth Sobek. Ça m'a... C'est nous, en quelque sorte. De voir qu'elle était toi. Et voilà. Morte et ressuscitée. Même si je suis loin d'avoir tout compris. Tu as dû faire la connaissance d'Eren ? Bien sûr. On lui parle beaucoup, elle. Tous les amis de Varl sont aussi mes amis. En l'occurrence, un ami très bruyant. Bon, allez. Allez, il va falloir que je m'en aille. C'est vrai que tu enquêtes sur un signal émis par une des boutures de Gaïa ? Possible. On ne le saura que quand on ira le voir. Sois prudente. Bien sûr. Allez. C'est parti. En plus, le nord-ouest... Merde, je peux pas voir. Mais le nord-ouest, j'ai déjà visité, donc... Voilà. Tu es prête à y aller ? Allons-y. Ça va être la classe. Les trois durs à cuire qui s'associent et partent à l'aventure ensemble. Ça va être sympa. Ah, il a l'air vachement enthousiaste à l'idée. Ah oui, on est TP directement. Fallait que cet appel de détresse revienne d'une montagne aussi abrupte, évidemment. Y'a pas une route normale, sinon ? Oh oh. Vermine. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? Oh, je veux la même arme. Et du coup, ils sont tous dead. Sacré nom d'infu. Faut lui parler à la meuf. Récupérer son arme. En vrai. Varl, va voir s'il y a quelque chose là-bas. J'y vais. Inspectons le champ de bataille. Commençons par cette zénith. Oui. Bon, de toute évidence, il y a bien plus de zéniths qu'on le pensait. J'arrive pas à croire que t'en as affronté un. J'ai eu de la chance de m'en sortir. J'ai buté un truc, mais c'était un lapin, pas un renard. Si les Banouks peuvent survivre au gel, moi aussi. Mais par contre, elle a... Quoi qu'aient fait les rebelles... Zéro trace de blessure. C'est venu à bout de son bouclier. Pourquoi est-ce qu'elle se trouve ici ? Je peux accéder à sa dernière communication, mais... Je vais aussi utiliser mon focus pour scanner le champ de bataille. Et c'est quoi cette arme que la Zénith avait ? On aurait dit qu'elle pouvait la faire apparaître à volonté. Ah. Mais il n'y a plus rien maintenant. Ok. Ah. Bon, je te laisse regarder. J'attends ici. On a eu un truc audio. C'est ça ? Non. Signal de détresse.
audio. Du coup, sécurité, bon, voilà. Ça peut être... Mariage en Colombie, Vézeray... Merde, putain, mais en fait, le problème, c'est qu'il parle et en même temps... il parle, du coup, je voulais pas lancer l'audio. Merde. Objet à collecter... Biographie de personnage, catalogue... Tout ça, c'est pas un objet à collecter que j'ai eu. Du coup, ça doit être un point de données, mais je sais plus le nom. Embuscade, pic doré. Et après, ça, c'est du texte. Là, c'est un audio. Scanner, contrat de récupération. Musée. Oh, tant pis, hein. Ah, fait chier. Verbena, elle s'appelle. Ce spectre était chargé de... d'aider à retrouver la cible. Je me demande de quoi il s'agit. Instruction du spectre. Unité spectre, machin. Ordre reçu. Directive principale. Aider à retrouver la cible. Directive secondaire. Continuer la surveillance de V7R. Ordre enregistré. Rapport envoyé à G. Bierry. Hostile détecté. Engagement des cibles. Danger. Échec. Système imminent. Je suppose. Ah, le souffle de la forge. Quel bordel. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit rien d'autre. Si là-bas, il y a un coffre. Et quelques loot sur la route. Non, c'est l'arme. C'est ce qu'il me fallait. Je sais pas exactement ce que c'est, mais j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. Ça peut être très pratique. Ah non, mais attends. Examiner le champ de bataille. Bon, je vais le laisser là pour l'instant, mais... Faut que j'inspecte plus ça. Machine, non. La meuf. Non, par les RND. T'as fini l'inspection? Oui. Presque. Qu'est-ce qu'il faut que j'inspecte encore? Pourquoi ça a commencé à scanner et finalement ça s'est arrêté? Là-bas. Ah oui, l'arme. Ah oui, forcément, je suis con. L'arme qui a servi à détruire son bouclier. C'est l'un des fils de Prométhée. On dirait que son focus envoyait des données sur l'arme, quelque part. Ok. Télémétrie initiée. Coordonnées censurées. Dysfonctionnement détecté. Autodestruction initiée. Télémétrie interrompue. Ah, l'arme est encore chaude. En même temps, elle brûle. Je dois savoir comment elle marche. Je vais devoir attendre qu'elle refroidisse. Je peux pas acheter de la neige dessus? Je veux dire... Hop là, le lapin. T'as bientôt regardé? Oui. Pas tout. Oh, mais si! Que j'ai pas regardé là. J'ai tout regardé pourtant. Là il y a des loot. Là, il y a l'arme. Il y a des coffres. Et les coffres, on s'en fout. Ah, mais la zone, elle est immense, en fait. C'est de bois. C'est
merde. Il y a des boîtes. Là, je suis en dehors de la zone. Je pense. Ouais. Ouais, ouais. Un mec mort, un lapin. Ravageur. Ouais. Pas monter de toute façon. Alors peut-être. Ah non, là c'est les coffres. Ah par contre, on peut pas monter. Oh, j'ai aucune idée de ce que le jeu attend de moi. Ah là-bas. Matériel de camping. On dirait que les rebelles ont campé ici un moment. Est-ce qu'ils surveillaient la zone? Parfait. Je crois que j'ai une idée de ce qui s'est passé ici. Je vais aller retrouver Erend. Alors, moi, je pense que... Les fils de Prométhée, c'est eux qui ont envoyé le signal. Pour que nous, ou... les zéniths lointains viennent. Bon là il s'avère que c'est la zénith lointain qui était là en premier. Et en fait ils voulaient nous piquer un truc. Et ils sont sous la... sous l'ordre de... l'autre là, le chauve, je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui a... Alors, il serait donné d'Hadès. L'invisible. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est ma théorie. C'était une attaque soigneusement préparée. J'ai retrouvé un campement, là-haut. Les rebelles se trouvaient dans la zone depuis au moins quelques jours. Ils attendaient que la zénith passe par là. Tout ça pour pouvoir essayer l'arme. Les zéniths ont un bouclier personnel qui les rend invincibles, mais l'arme a pu le faire disparaître. L'océram chargé de la manier envoyait des données quelque part. Ce n'était qu'un prototype, j'imagine. Je connais des gens qui feraient ça. Un petit test, pour voir si tout fonctionne avant de l'utiliser. J'imagine qu'il n'est pas tout à fait au point, quand on voit son état. Elle recherchait quelque chose qu'elle a perdu. Son drone devait l'aider à retrouver ce qu'ils appellent la cible. La cible? C'est pas la sous-fonction qu'on est venu chercher ici, Illity? Pas sûr. Bien, allons retrouver Varl. Tout ça, est-ce que je peux l'emporter? Le problème, c'est que c'est lourd. Ah, et d'ailleurs, j'ai des points de compétences. Survivant. Merci pour le follow, Chocopops. C'est gentil de ta part. Bienvenue. Have fun. On va améliorer tout de suite ça. Voilà, et alors peut-être qu'on peut améliorer... C'est quoi le truc de chef des machines? Moins de dégâts en monture, la durée de piratage... réparer les machines... Plus de dommages élémentaires... Pourquoi? Non, les machines piratées infligent plus de dommages, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est pas forcément des trucs qui m'intéressent de ouf. Pareil pour les pièges. Un piège plus rapidement. Oh, ça peut être sympa, mais... Je me sens d'un petit moment, mais je repasse certainement. Ok, ça marche. Plus de pièges. Fabriquer des outils plus rapidement. C'est moins de dégâts. Ah, pas foufou, moi. Du coup, je vais peut-être continuer d'améliorer l'arc, même si... C'est pas forcément un truc hyper important, mais bon. Là, j'ai eu les trucs qui m'intéressaient le plus. C'est que du bonus, maintenant. Bonjour. Celui-là. Bon. Ça descend beaucoup. Quelque chose a creusé un tunnel dans la montagne. Ça a l'air récent.
Dans tous les cas, ça devait être très puissant. La zénith que les rebelles ont tuée cherchait quelque chose appelé... la cible. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que ça se trouve là-dedans. D'accord, alors on descend. Erend, reste ici et monte la garde. La zénith n'est sûrement pas venue toute seule. Je veux pas être prise par surprise si d'autres arrivent. Contacte-nous avec le focus au moindre signe. Très bien. Si je vois un truc pas net, je vous préviens. Allons-y. Bah t'as une arme en plus à portée de main. Et non, je la récupère. Je vais monter la garde. Et crois-moi, rien de méchant. Et du coup c'est marrant parce qu'on a quand même pas mal de gens à notre cul. On a donc les zéniths lointains. On a la Ténac, la rebelle. On a les fils de Prométhée. Il y a une sorte de... On a les machines. Ruines de l'ancien monde ici. Tu as bien dit que les zéniths avaient leur copie de Gaïa. Oui, elle vient du laboratoire. Alors peut-être qu'ils étaient à la recherche d'Iliti, ils l'auraient trouvée et elle aurait envoyé le signal de détresse. Peut-être. Oh, s'il faut faire des sauts, c'est mort hein, pour l'arme. Je pars là. Hein. Ça dépend, il y a quoi de beau. Y'a rien, là y'a quoi? Là y'a une boîte. Elle est là la boîte, ok. Bon, je vais lâcher l'arme de toute façon. Bon, ça va prendre 10 plombes. On dirait un centre de données. Je peux peut-être accéder au système du site depuis cette console. Alors, j'ai bien envie de lire par contre ce journal. Accès aux unités de stockage, transfert de données initié, opération suspendue, réacteur de fusion en attente. Téléchargement initié, diffusion initiée, destination censurée. Transmetteur. J'ai jamais vu ce type de transmetteur. On dirait qu'il s'est autodétruit. Étrange tout ça. C'était un labo de recherche de Zénith lointain. On dirait que beaucoup de données ont été envoyées d'ici récemment. Depuis cet appareil. Alors Iliti est partie ? Oui, à supposer qu'elle était bien ici. Mais alors, pourquoi les Zéniths cherchaient encore la cible ? Continuons les recherches. On va par là. Ah mais du coup ça me perturbe, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. On va vite fait. Parce que bon, il y avait des sauts. Il y avait une raison. Voilà. Elle monte. Ah, mais non, mais... De toute façon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Par contre, m'emmerde pas. Là, on peut pas passer. On peut pas. Ok, bah juste ça sert à rien. Des choses qui arrivent. Vous voulez voir. Bon, du coup, il y avait une porte là-bas. Allons-y. Et on se retrouve à explorer une autre ruine de Zénith lointain. Oui, et alors? Je pourrais prendre ça dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Je vois pourquoi il se plaint, c'est cool. On peut descendre. On peut monter. Pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille. Au moins, il devrait pas y avoir de machine tueuse géante ici. Alors là, il y a une porte, du coup j'ai envie d'aller voir en bas. Tu peux faire exploser. Rien là. Continue par là. Ouvrir la porte. Oh merde, mais il y a des portes partout. Quel cauchemar. Là. Ah, là, il y a un truc. Et non, il fallait remonter. Mais il y a des portes partout. Cet endroit est immense. Oh. C'est peut-être un lieu de stockage. Ok.
Peut-être que la cible est encore ici. Ok, c'est... Si c'est le cas, les zéniths n'ont pas pu mettre la main dessus. J'ai trouvé la bonne route. Du coup, jetons un œil. Je vais faire tous les autres endroits. Y a rien. Ah, là-bas. Est-ce que tu as trouvé un truc qui nous dirait où est la cible? Rapport de progression. Données corrompues. A vu une amélioration significative en réduisant la durée entre deux retouches nécessaires pour les traitements en vente, comme le réjuvgène d'Osmentus. Quant à l'équipe de Malik, les derniers résultats de leur expérience en neurophysiologie semblent prometteurs. Et avec les données supplémentaires fournies par notre site de Tokyo, il semble que nous ne soyons plus très loin des implants de première génération fonctionnels. Pour l'instant, nos collègues à Zurich nous ont envoyé ce qu'ils ont découvert au sujet de WBE. Les résultats sont partagés, plusieurs voies prometteuses ont été identifiées, mais tout ce qui se rapproche de la véritable transcendance numérique exigera encore des décennies de travail, sinon données corrompues. Ok ? Je ne crois pas, non. Toutes ces choses... Je me demande ce qu'il faisait ici. Eh bien, connaissant Zénith lointain, probablement des découvertes incroyables. Pour leur propre profit. Changement de priorité. Chers tous, comme vous le savez certainement, nous avons perdu le plus brillant d'entre nous. Peter était passionné par la recherche sur l'ectogénèse pour l'Odyssée, et au nom du nouveau Haut Conseil, je tiens à vous féliciter pour tous vos efforts et pour les avancées fantastiques que nous avons accomplies au cours des dernières années. Bien que nous regrettions notre fondateur, nous devons garder les yeux tournés vers l'avenir radieux qui nous attend. Et c'est pourquoi nous allons modifier les priorités des projets. Au cours des jours à venir, nous vous présenterons les dernières évolutions en matière de recherche sur la longévité de nos sites de Tokyo et de Lagos, ce qui donnera lieu à deux nouvelles missions. D'ici là, toutes les chambres d'ectogénèse devront être placées dans les réserves. Oui, t'as sûrement raison. Oui, oui, j'ai raison. Et donc là-haut, c'était quoi? Pouf, 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 pouf. Ah bah c'est une porte qui mène au même truc. Attends, pourquoi? Je veux passer là. Laissez-moi rentrer. Ah non. Si. Ok, ça ramène... Les deux endroits mènent au même endroit. Mais ici, il y a des loots. Il n'y a rien par là? Non. La porte était fermée. Là-bas. Pré-mâché. Oh, flemme. C'est un peu. Là, c'est fermé. Hors de bunker. Ok. Donc, ouais, là, c'est l'autre porte de. Un beau vol plané. Alors, comment Erend prend tout ça? Vraiment? Eh bien, Gaïa, les Zéniths, le Focus, ça fait beaucoup. Mais quand je l'ai rejoint dans les couloirs pour lui dire que t'avais besoin d'aide, il a tout laissé en plan et il est venu. Il est loyal, c'est certain. Point d'accroche, point d'accroche, point d'accroche. Console d'accès. Coffre, coffre. Ok. Je suis pété les chevilles. Il y a où l'autre coffre? Ah, il y a des trucs là aussi. Porte de bunker, ok. Et il y a un autre truc. Une console de contrôle pour accéder aux unités de stockage. Est-ce que ça peut nous dire si la cible est là? Ah, on va le savoir. Hop. Ah, je peux péter la vitre? Genre. Elle est dégueulasse, hein, cette texture de vitre. Vraiment, caca. Quand même assez inégal. Et c'est con parce que on a déjà vu des vitres moyennement cassées comme ça et on pouvait les détruire complètement, donc ils changent un peu les règles. C'est-à-dire le code. Hop. 236 conteneurs en stock.
Veuillez entrer le numéro de conteneur que vous souhaitez ouvrir. 236. Il n'y avait pas un nombre dans le signal de détresse ? Ah. Peut-être. Signal de détresse, il était... 237. Ah. Ah mais si on a 236. Et pré-mâché, il y avait pas un code, c'est le seul truc que j'ai pas lu, non. Bon bah 237. Si. Je devrais consulter mon journal. 236 conteneurs en stock. C'est une personne. Oh, c'est moi. Aloy. C'est toi? Sa peau est glacée. Elle a dû retirer ça de sa tête. Mais pourquoi ? Mais contrôler. Bonjour, Elisabeth. Désolée, je ne sais pas comment t'appeler. Je m'appelle Beta. Je vais devoir être brève. Je n'ai que quelques minutes avant que quelqu'un ne remarque mon absence. Et je dois encore retirer cet implant. J'espérais trouver refuge près de toi, mais... Si tu vois ceci, je suis peut-être morte. Fais très attention. En affrontant Zénith lointain, ils sont sans pitié. Et maintenant, ils ont Illithi, Artemis et Apollon. Merde. Apollon ? Mais ils n'ont pas le noyau de Gaïa pour les fusionner. Il faut que tu réussisses, ou tout ça aura été vain. Bonne chance. Et adieu. Alors elle... Elle est encore en vie. Il faut qu'on la ramène. Oh merde, il peut voler ? Aloy... Aloy, est-ce que tu m'entends douter ? Qu'est-ce qui se passe, Eren ? Deux de ces machines spectres sont tombées du ciel. L'une d'elles se dirige vers vous et l'autre, elle attend à la surface. On va remonter. Reste à couvert jusqu'à ce que je sois là. Bien sûr. Mets-la à l'abri dans cette salle. Quoi qu'il arrive, elle reste avec nous. Trop bien, j'aurais une jumelle. Je la protégerai. Je dois me préparer avant que le spectre n'arrive. Je ne peux pas le laisser atteindre Varl et la clone. Ouais, mais... Je suis censé me préparer comment, moi ? Avec ça ? Mettant des pièges aussi ? Le voilà! Merde. Oh, t'es encore rien, toi! Boum! Non. Oh putain. Je savais pas qu'il faisait un deuxième coup. Première fois que je les affronte, donc je sais pas trop ce que ça donne. Je devrais scanner cette machine pour voir si elle a un point faible. Ouais. L'acide. Non. Ce truc est rapide. Oh. L'acide attaque son blindage. Ok. Alors limite ce que je peux faire. J'aime pas le plasma. Vite.
devrait être bon. Voilà. Oh, mes nouvelles armes, voilà. Trop bien. Est-ce que ça va, Aloy? Oui, je vais remonter. Reste ici avec la clone pour l'instant. D'accord, je te suivrai quand la voie sera libre. Mais mon armement est vraiment plus puissant qu'avant. Est-ce que j'ai mis au spectre, c'était pas mal. Par contre, il fait bip bip. Non, plus s'asseoir, ok. Ça m'inquiète, hein, un truc qui fait bip bip comme ça. Au moins, je connais les points faibles maintenant. Je sais comment les combattre. Je sais pas. Je dois remonter au sommet et m'occuper de l'autre spectre. J'espère qu'Eren restera à l'abri. J'ai pas fait gaffe à son unité, à son élément d'attaque. Du coup, j'ai peut-être pas la meilleure tenue pour les affronter, mais. Aloy, voilà. Eren. Le spectre est bien installé. Je peux plus bouger. Tiens bon, je suis presque arrivé. Oh. Dépêche-toi. J'avais bien fait d'emporter ça. Ça va être un peu plus galère pour remonter. Oh non, par pitié. C'est bon. Allez, allez. Faut que je trouve un bon moyen pour monter ça. On est vraiment, vraiment lent et on peut rien faire avec une arme. Je dois aller voir si Eren va bien. Ok, tu vas bien. Un solide. Un roc. Ah bah, il y a Eren. Bon, ça va, il est protégé. Il est assis. Par contre, on voit que dalle, hein.